Bonjour, je suis juste derrière, sur Margès. Ouais, d'accord, sur Margès, ok. L'idée, c'est que je me suis installé en août 2021. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi aller vendre plus loin? Il n'y a pas de marché ici, l'idée, ouais, c'est de faire du local. Du coup, j'ai négocié avec la mairie, on a démarré le marché, et l'idée, c'était d'aller chercher les collègues qui sont autour. Pour faire du local. Il y en a. Oh merde, il y en a. Non, l'idée, c'est vraiment de faire du local. Moi, je suis en train de m'installer, je suis en train de passer la conversion pour pouvoir être en bio. Aussi, d'accord. Aussi. Et voilà. Ok. Et dans tes projets? Ou dans les projets, je suis en train de monter un troupeau de moutons pour faire de l'agneau. Ouais. Je suis en train de monter une serre pour des belles surprises. Des épices, entre autres. Ok. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Curcuma, gingembre, cardamome. D'accord. Et si ça marche, de la banane. C'est cool, je l'ai, enfin je l'ai. De la banane. Tu sais que j'en ai parlé à plein de gens, ils disent oui, mais c'est pas possible. Moi je pense que c'est possible. J'ai planté un verger, j'ai planté 2 hectares d'amandes. Donc effectivement il y a de l'amande qui va arriver aussi. Voilà, être sur des produits divers, local et bio. Tu fais que ce marché-là ou t'en as d'autres? Non, je ne fais que celui-là. M'étant installé en août, c'est court. L'idée, c'est qu'au niveau des légumes, je fais du légume d'hiver. Je ne vais pas faire les légumes d'été, tomates, concombres, parce que j'ai mes autres activités qui prennent le pas pendant l'été. Mais c'est de rester là et de pouvoir vendre localement les produits. Pourquoi aller les vendre loin alors qu'il y a du monde? Produire local, manger local. Exactement. Merci, Eric. Merci.